Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park. On va suivre le Coon qui nous emmène au combat. Tu es double classe maintenant, le nouveau cool. Putain, il va tellement plus vite que moi. Ouais, t'as raison, ça c'est vrai. God damn it, so close. Head towards Main Street, butthole, and gird your loins for battle. Yes, a little further. We were supposed okay, on est bon. You remember, Tweak? Yeah, I remember. So when I walked out on Coon and Friends, you should have walked out with me. I like Coon and Friends. Because they had their own movies. Thank God you're here. They're really going at it. Super Craig had to have movies before Wonder Tweak was introduced. It made no sense otherwise. Your whole group makes no sense. Because you're a traitor, Tweak. Mysterion. A group of super traitors. This was started by you. By people who thought there should be preferential treatment to certain heroes. We aren't the ones who walked out. Moi, je vais être du côté de Mysterion. Ah. Eric, you must listen to me. Right now, I'm speaking to you telepathically. Get out of my head, Timmy. Your franchise is going nowhere. Face the truth, Eric. You guys are kind of douchebags. He just called us. Ah, il l'a pas dit encore. He did? All right, you son of a bitch. Ah! Oh, vache. Oh, il est bon. Timmy! Ah non, je veux pas taper sur Mysterion, s'il vous plaît. J'aime Mysterion. Bon bah tant pis. You're making a big mistake messing with Coon and Friends. C'est lui qui a le moins de points de vie. Bouf. Weak hurts. What a surprise. What? Putain, c'était violent. That was lame too. Mange dans tes dents. Ever get the feeling life is punishing you for being a tweak? No. Human kind clear for takeoff. Hop là. Pouf, Mysterion. Mes rayons. Fucking lasers. T'en prends cher. Make way for Mysterion. Today, we crossed paths with the wrong immortal fourth grader. That was some dark shit, man. Ah, voiture. Car. Come on, move. I have a thing to get to. Fuck you, dude. It's Civil War, dick. Clear. Get excited. Super Craig. Dégagez. Imagine qu'il se téléporte pour... Elle est protégée en plus. Vache. Ah, il fait pas mine. Ah, je pourrais pas le buter en un seul coup. Avec un peu de bol. Ah, il reste un point de vie. Une bonne mandale, ça fait pas mal. Oh mon dieu, je suis dans le caca. Ah. Salaud. Je vais en finir avec vous. Tellement de style, tellement de classe. Pourtant habituellement je suis pas dans le style élémentaliste moi personnellement. Je suis dans le style paladin. Il y en avait pas. Mais c'est pas grave. New Kid, don't let Cartman fool you. Ouais, je suis d'accord, Mysterion. J'ai envie d'être de ton côté, tu sais. Genre vraiment, vraiment envie. Pouf. Here I go. Here I go again, Emmanuel. Je peux pas. Suck on this. Boom. Ah, tu es gelé. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Non, non, j'ai annulé mon tour. Mais quel con. Pouf.
Yeah, I saw that coming. Je t'ai eu, Mysterion. Mais non, tu ne vas rien faire du tout, car je suis là. Bouf. Ok. Think about what you're doing, new kid. Bouf. C'est les limites, hein. En termes de puissance, je suis pas à fond, hein. Allez, dégage de mon chemin. C'est bon. Ouh, ça aura pas été simple, ça me fait chier pour Mysterion. Masque, œil mental. Fanfic de Super Craig et Wonder Tweak. Excellent, je suis désolé, Sam. Je trouve ça génial. Emplacement majeur, génial. Bon, on a suffisamment d'artefacts. C'est con parce que j'aimerais bien du côté de Mysterion. S'est fait défoncer. Timmy got away? He completely raped my mind. You okay? No, seriously, you guys. He fucked the shit out of my brains. I grabbed him. We fought for a little bit, but his mental powers are too strong. So we did all that for nothing? Not quite. I got Timmy's cell phone. You did? There's sure to be a lead on that. Let's get this back to base. Super Craig can analyze it. Quel combat de ouf gueudin. Bonjour. Is this the little superhero who's getting all the followers on Instagram? Your presence is requested at City Hall. The mayor of South Park wishes to speak with you. Don't make her wait. Je sais plus si c'est par là. Ah, j'étais bon. Autant pour moi. J'aimerais bien me faire c'est quoi dire, j'aimerais bien me faire agresser. Augmenter mon level au passage, level artefact, voilà. Tu as débloqué le premier emplacement d'artefact majeur. Les artefacts majeurs améliorent considérablement tes bonus de puissance et d'équipe. Un équipe à un artefact dans le nouvel emplacement, d'accord. Ouais. Cube de membres platine du Koon et sa bande. Ok. Voilà. Je suis bien au niveau de mes stats, c'est pas mal. Dégâts de coups critiques. Pourquoi j'ai dégâts de coups critiques? Bizarre. Bon, en tout cas, j'ai ce que je veux en termes de récupération de puissance. Est-ce qu'on peut-être en crafter, peut-être? Je ne sais pas. Dans l'inventaire, ouais. Comment je sais si ce sont des surpuissants ou pas? Combo de repoussement. Récupération d'ultime 15%. Voyons voir. Ça peut être pratique aussi, ça. Je me tâte. Je me tâte. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Repoussement. Celui-là est bien. Et là, je n'ai rien d'autre. Donc, on va rester avec ça pour le moment. En termes de pouvoir, on n'était pas si mal. On va quand même aller voir la mairie. Hop là. Je suis curieux de voir ce que va nous demander le... Madame la maire. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Bonjour. Hello, young person. I'm the mayor of South Park. You must be very excited to be here. Pas vraiment. Well, all right, look. You might be able to help me. This new crime wave in town, it isn't a coincidence. Some group or someone is trying to make me look bad. The more crime goes up, the more people start calling for my head. Mm-hmm. Whoever is behind this wants to see me get replaced.
I need people like you. Please, find out who is behind the crime wave in our town. My political life depends on it. Cancel all my meetings today. You don't have any meetings today, ma'am. Excellent. Keep up the good work. C'est ça qui est bon. Ok, bon bah... Et maintenant, on retourne au repère du Coon. Ok. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Qu'est-ce qu'on va peut-être trouver dans le truc de Jimmy? Leur base? South Park. Ou justement peut-être rien trouver du tout? Ce serait là le truc. Le bidule. Les potes de la liberté dans la guerre civile. Oh là 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 là. Les potes de la liberté, quoi. Le nom. Le nom. Bon. Allons-y. Toujours pas la bonne maison. C'est bon. On y est. On est enfin arrivé. Crac. C'est parti. Voyons voir. Je sais pas si je peux. Non, je voulais voir si je pouvais le faire passer via le. Mom. Faire passer par le numpad, ce serait beaucoup plus simple. Je gagnerais du temps. Ah, there you are, Butthole. Oui, je suis là. C'est parti. What have you found, Super Craig? Timmy's phone has a bunch of notes in it. Something about a girl who has information about all the criminal activity in town. What girl? It just says find the girl with the dick tattoo. What girl in town has a dick tattoo? I don't know, Mosquito, but the Freedom Pals must think she's the key to finding the missing cat. If the Freedom Pals find her before we do, they'll get the $100 reward. We cannot let that happen. We have to stop the Freedom Pals from having a sweet franchise, at all costs. Then we have to find the girl with that tattoo tonight. Fast Pass is right. We all have to sneak out of our houses tonight and search. Oh, première partie de nuit, du coup. What do you say, new kid? Are you up for it? Ouais! C'est ce que j'ai dit en vrai. If you want to be a coon friend, you have to learn to communicate. Yeah. Who let this guy join us anyway? Go easy on him, you guys. He's had a tough life. When he was 6 years old, his dad fucked his mom. What? I'm sorry, friend, but it's time they learned your tragic backstory. No! He doesn't trust anyone because his dad fucked his mom and he couldn't do anything to stop it. That doesn't make any sense. I know. Did the person you trust do that to the only other person you love? Cartman, everyone's dad fucked everyone's mom. Huh? That's how it works, stupid. Our dads fucked our moms. Oh, right. So does that mean your dad fucked your mom, Cam? Huh? Yes! My dad fucked my mom! That's why I'm here! Apprendre les leçons de vie à Cartman. You're so fucking stupid! Every human alive on Earth had a dad who fucked their mom and- Stop, stop! This is not what's important right now! We need to find the lady with the dick tattoo! Yeah, let's get home so we can prepare for evening missions. Let's go, coon friends! He's such a fucking idiot! It's okay, calm down. I'm afraid you'll have to deal with that kind of bigotry your whole life, Butthole. When people don't understand, they lash out. I'm going to let you be a sidekick tonight to one of the coon friends. Go home and sneak out after your parents are asleep. I'll fill you in later. Bon, bah c'est parti. Retirer le costume. Ouais. Wouah! Tellement de style! Oh... Je veux juste... Retirer mon masque, enfin mes lunettes, histoire que j'ai plus... Voilà. Oupidoupidou. Je redeviens un humain normal. Mais la nuit, je combats le crime. Rentre chez toi. Bah oui, je suis au courant. Il y a plein de trucs qu'il fallait que je revienne de nuit, au passage. Il y a tout plein de trucs qu'il fallait que je revienne de nuit. Cerf-volant express pour la rue principale est presque prêt. Cerf-volant express. Intéressant. Wouah, je viens de comprendre à quoi servent les petits machins qui indiquent qu'il y a du... Je suis pas chez moi. Merde, c'est de l'autre côté chez moi. Non, non, c'est juste un peu plus loin, je suis con. J'ai cru que j'y étais déjà. Hop là. What are you doing even talking to the school counselor? Why'd you answer the phone? Have you lost your fucking mind? Our child felt the need to go talk to the school counselor. Doesn't that bother you at all? So you told him the truth?
No, we didn't talk about that at all. You dumb bitch! You'll ruin everything! I don't have to listen to this from a stoned-out pothead! I need a drink. Sure, drown your problems in Chardonnay, you stupid skank! Oh, hey, whippersnapper! Well, I'm exhausted. Gonna get ready for bed. Dinner's on the table if you want it, punk. But then straight to bed, okay? Pothead! Alcoholic! Oui, donc je disais, les petits trucs qui servent à indiquer qu'il y a du vent, ça va être pour ramener, voilà. Oh, oh! Oh la vache, la dépression! What? Non. Allez, tu bouffes. Non, non, vraiment, tu bouffes, hein. Tu finis ton assiette. Il est dépressif, le pauvre garçon. Allez, une dernière fois, si ça fait rien. Oh la vache, la dépression, quoi. On sort dîner le nouveau, alors il va utiliser la base de cerf-volant. La base de cerf-volant pour la mission de ce soir. Ok. Non. Ah bah bravo. Bravo, bravo. J'ai déjà fait, forcément, oui. Bravo. Je vous applaudis pas, les mecs. Bon. Ah mince. Non, j'ai vu qu'il y avait des trucs dans le coffre. Sweetie, oh là là. Just want you to know that whatever happens, mommy always loved you. Good night, sweetheart. Ok, c'était flippant, ça. That's when the creeps come out. But unfortunately for the creeps, the other thing that comes out at night is a key. C'est tellement stylé. Enfuis-toi de chez toi. Ah, mon costume, le bad costume. Il fait pas assez élémentaliste d'ailleurs le costume. Vous savez quoi? On va le changer. On va même essayer d'en crafter un nouveau. Je sais pas si c'est possible à l'heure actuelle. Hop, j'ai pas ce qu'il faut. Mince. Bon, on va bien trouver quelque chose. Avec un sac à dos. Non. On va mettre ça. La couleur. On va mettre ça. Pour la toile, on va mettre du rouge. Histoire que ce soit bien stylé. Ok, ça c'est bon. Pour la tête, on va changer ça aussi. Ouais, ça me semble être une bonne idée. Les couleurs, non, mais l'idée, oui. Dommage que ce soit pas bien calé. Hop, non, c'est pas la bonne couleur. Si je mets du rouge, ça ressemble à quoi? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Au niveau des gants! Si c'est assez moche. Là on voit pas assez les...
Ça pourrait être intéressant, cela dit, les mitaines. Je pense que les mitaines, ça va être vraiment ce qu'on va pouvoir mettre de mieux. Voilà. Le reste. Le reste, en tête, on est bon. En lunettes. C'est stylé, ça. Voilà. Pas si mal. Puis le style facial, je peux pas trop la changer. Couille au mentonite, certainement pas. Donc je vais pas la changer. Maquillage, on a rien de mieux. Alors, quel maquillage accentué. On a rien de mieux non plus. Bon, on est pas si mal. Voilà, nouveau costume. Alors au passage, je vais lui récupérer quelque chose ici. Ah oui. Oh. Ouh, plein de trucs. Ok, cool. Par contre, du coup, oui, si j'ai récupéré du costume, surtout des lunettes. Non. Non. Maquillage. Et on voit pas la différence. Maquillage de base. Why not? On le voit placé, donc c'est dommage. Hop, voilà. Allez, suivant. Allons-y, chers amis. Le capitaine Diabelle attendait l'endroit où, d'après nos infos, se trouve la fille au tapage de bite. Tu arrives à gérer cette mission. Si tu arrives à gérer cette mission, tu auras peut-être une chance de devenir un super-héros un jour. Une seconde, si le nouveau et Diabelle cherche cette fille, c'est quoi notre mission à nous? C'est classifié, l'homme cerf-volant. Ok, je ne sais pas où je dois aller. Je t'envoie un SMS. Bon, on va bien voir si c'est par là qu'il faut que j'aille. Appeler. Je suis super stylé comme ça. What? Oh, good kitty. What? J'ai pas l'autre maman à la tête dans les chiottes, mais apparemment ça va. Non, elle m'a dit que son sanctuaire à elle, c'était sa cuisine. Tout semble aller pour le mieux, jusque là. Ok, bon, c'est pas flippant du tout. Bon, il est temps de sortir. Don't forget, you can use your snapping pops to knock things down. See ya, bud. Who's there? Ok, c'est plus facile que prévu finalement. Moi, je vous laisse la prochaine vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo!